À la fin de cette vidéo, vous saurez comment appliquer un effet de tremblement à un texte dans Filmora 9. Restez avec nous. Bonjour tout le monde, nous voilà de retour pour améliorer vos compétences en montage vidéo. Alors avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos tutos à venir. Allez, c'est parti! Avez-vous déjà voulu et essayé d'appliquer des effets de tremblement à un texte? Dans ce tuto, je vais vous montrer comment appliquer des effets de tremblement à un texte et je vais vous montrer comment vous pouvez appliquer n'importe quel effet grâce à cette technique simple. Alors, dans un premier temps, choisissez un titre depuis la catégorie des titres et glissez-le dans la timeline. Appliquez à ce titre les effets qui vous plaisent. Assurez-vous juste qu'il n'y ait rien situé dans la piste juste en dessous de votre titre. Ni vidéo, ni éléments, rien. Une fois que vous êtes satisfait du design de votre titre, assurez-vous qu'il soit complètement fini avant de passer à l'étape suivante. Alors la raison est simple, vous ne pourrez plus modifier le titre en utilisant les outils de texte une fois converti en capture d'écran. Donc une fois l'édition de votre titre terminée, trouvez une image dans votre timeline vous permettant de voir l'intégralité de votre titre avec ses effets depuis la fenêtre de prévisualisation. Faites une capture d'écran en cliquant sur l'icône en forme de petite caméra située en bas à droite de la fenêtre d'aperçu. Le snapshot prêt, vous le trouverez dans votre bibliothèque média. Faites-le glisser dans la timeline et placez votre vidéo dans la piste juste en dessous. Le fait de ne pas avoir appliqué de couleur ou de vidéo sur la piste située en dessous au moment où nous avons pris la capture d'écran permet en fait à cet élément texte de posséder un fond transparent. Rendez-vous maintenant dans la catégorie des effets et trouvez les filtres tremblement. Nous allons choisir vertical 2 pour cet exemple. Glissez-le dans la capture d'écran de la timeline. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier l'effet en changeant sa fréquence. Je vais également décocher ici RVB séparé. Enfin, et non des moindres, je vais ajouter l'effet aberration chromatique pour intensifier les couleurs du rendu global. Voilà, rejouons le tout et tada ! C'est pas beau ? Le texte tremble ! Nous pouvons en fait ajouter n'importe quel effet à ce titre. La raison pour laquelle nous pouvons le faire, c'est parce qu'il s'agit d'une capture d'écran. Filmora traite la capture d'écran du texte exactement comme s'il s'agissait d'une image ou d'une vidéo. Donc si vous souhaitez appliquer un effet différent, il suffit de le faire glisser dans cette piste. Et voilà, vous savez maintenant appliquer des effets de tremblement à un texte dans Filmora 9. Y a-t-il une astuce de montage que vous souhaitez connaître ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Nous, on se dit à la prochaine. Restez créatifs.